Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une quarantaine de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice autour d'une balle de tennis. Un exercice de modélisation intéressant pour la balle avec du matériau et un système de particules pour générer quelques poils à sa surface. Un système de lampes et d'éclairage, comme d'habitude, un plan pour projeter l'ombre et une caméra. Et puis cette fois, un fond qui sera uniquement consacré au Pano World et à notre sky. Puis un peu de compositing pour pouvoir jouer sur de la colorimétrie et surtout injecter une image qui est le logo de l'US Open avec notre petit texte Wanna play tennis. L'ensemble de cette image a été préparé au préalable dans Photoshop. C'est une image avec un fond transparent, un PNG, et nous verrons avec le compositing comment venir et un nœud alpha over comment venir l'intégrer par-dessus notre calque de rendu. On démarre ce tutoriel avec la traditionnelle scène par défaut Blender et devinez quoi, on va commencer par effacer le cube et la lampe que nous n'utiliserons pas, puis nous placer en vue de dessus orthographique pour y ajouter notre premier maillage qui sera de type cercle et composé de 8 vertex. Depuis le mode édition, nous allons appliquer une rotation R contrainte sur l'axe X, X de 90 degrés 90 sur le pavé numérique. Puis, une fois qu'il est placé comme ça de manière verticale, restez en vue de dessus et jouez avec l'outil spin. Ici du panneau des outils pour les maillages. Notre spin, on va l'appliquer donc une duplication de nos vertex comme vous le voyez sur 180 degrés afin de couvrir l'ensemble et lui demander 4 steps qui vont nous suffire pour venir aligner ici une bonne rangée de vertex. Cette opération a vraisemblablement dupliqué beaucoup trop de vertex et certains sont superposés pour éviter tout problème au rendu d'artefacts, de problème de sélection au niveau des arêtes. On sélectionne l'ensemble du mesh, W, Remove the Bulls, et on a 14 vertex à double qui ont été supprimés. À présent, depuis la vue de face, en mode édition, on désélectionne l'ensemble, on passe en mode wireframe en pressant sur Z et je vais sélectionner B, l'ensemble de ces vertex pour les effacer. Puis Shift D pour dupliquer le maillage sélectionné, Enter, puis S, X, moins 1 pour faire une symétrie du mesh que je viens de sélectionner et une nouvelle fois, à présent une rotation, R, contrainte sur l'axe X, X de 90 degrés pour placer notre maillage de cette façon-là. Vous voyez que, alors, on a deux objets qui sont séparés, puisque j'ai dupliqué l'objet en dehors du mode édition. On va maintenant resélectionner les deux objets et CTRL-J pour les faire fusionner. Je peux maintenant rentrer dans le mode édition pour voir que j'ai plus qu'un seul maillage. Parfait. Il y a aussi une chance de dupliquer des vertex à double qui soient superposés, donc W, Remove Doubles encore une fois, et je viens de supprimer 8 vertex qui étaient dupliqués. L'intérêt de créer notre balle de tennis avec ce type d'opération, c'est l'avantage de créer ce loop cut que vous voyez ici. Oups. Et vous voyez que ce loop cut ici va pouvoir nous servir à facilement, par exemple, rajouter des loop cuts sur l'ensemble. Alors, je peux, voilà, je vais le sélectionner. Et puis, servira à faire vraiment la rainure de la balle de tennis qui sera faite sous une forme modélisée. On aurait très bien pu le faire sous une forme texturée et bump mappée, par exemple, mais nous allons la modéliser. Pour continuer sur notre balle de tennis, nous allons venir appliquer un modifieur de subdivision de surface et cliquer Apply. Pour simplement venir rajouter l'ensemble, un ensemble, un gros ensemble même de vertex et de faces. Comme vous pouvez le constater depuis la vue de côté, notre balle de tennis n'est pas franchement ronde. Ce qui aurait été pratique, c'est de commencer avec une sphère ou de commencer avec un maillage, disons, totalement sphérique. Mais nous allons utiliser l'outil de sphérisation, justement, qui s'obtient en faisant Shift Alt plus S. Je vais tirer au maximum. Vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué, je vois dans le panneau de contrôle ici que je peux venir jouer sur certains paramètres, s'assurer que le facteur est bien à 1 pour appliquer un maximum
de sphérisation à mon outil. Peut-être une petite astuce au passage pour trouver ce genre d'outil, ou si vous ne connaissez pas les raccourcis clavier, vous pressez par exemple tout simplement espace, on va taper sphère, et vous voyez que j'ai tout sphere ici qui s'obtient avec Shift Alt S. Donc un bon truc, espace et faites une recherche, vous permet souvent de trouver les raccourcis clavier si vous ne les connaissez pas. Pour continuer sur notre maillage, je vais ajouter CTRL R, un premier loop cut ici, puisque c'est ici que nous viendrons créer la rainure, un deuxième loop cut R, donc la rainure qu'on va ensuite venir créer, vous le voyez, de cette façon-là. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite parce que avant cela, alors j'arrête pas de déplacer mon curseur 3D, désolé. Avant de venir jouer là-dessus, on va encore appliquer une fois un modifieur de subdivision de surface que je vais cette fois incrémenter ici pour le mettre à 2 et que je vais également appliquer. Comme vous le voyez depuis la vue de côté, on a de nouveau une jolie patate plutôt qu'une belle sphère, même si la balle de tennis est vraisemblablement pas parfaitement sphérique. Je vais de nouveau rentrer dans le mode édition A. Et Shift Alt S pour obtenir de nouveau notre outil ToSphere avec un maximum de facteurs à 1. Et vous voyez que l'effet ToSphere a évidemment séché la rainure ici que j'avais commencé à appliquer, mais tout n'est pas perdu puisque je vais maintenant désélectionner l'ensemble, sélectionner les vertex qui m'intéressent. Donc Alt Shift Click S pour sélectionner tous ces jolis loop cuts ici. Et puis S est redimensionné légèrement sur l'intérieur, puis je désélectionne ceci, S, je désélectionne ceci et S une nouvelle fois. On prend un petit peu de recul pour voir ce que ça donne. On est plutôt pas mal. On va peut-être quand même venir encore désélectionner celui-là et puis faire un dernier S ici pour faire rentrer notre rainure complètement à l'intérieur. On va demander, rentrer de nouveau dans le mode édition, on va demander un shading smooth pour venir lisser toutes nos faces ici. Et vous voyez que nous avons des petits problèmes d'orientation des normales qui créent ces artefacts ici. Donc avec tout l'ensemble des vertex sélectionnés, on va cliquer Recalculate Normals qui se trouve ici pour les orienter toutes dans le même sens. Il va être temps de commencer à jouer un peu sur nos matériaux. Donc on va créer un nouveau matériau qui sera notre balle jaune. On va simplement venir ici sélectionner un jaune intense. Alors, je joue avec la molette de la souris là. On va coupler complètement le reflet spéculaire. Et puis, on va venir également créer un deuxième maillage, un deuxième matériau. On va repartir de notre balle jaune. On va cliquer sur le 2 pour le rendre unique. Et on va faire un blanc. Ce sera évidemment la couleur. Tac, blanc au maximum de notre rainure. Donc maintenant, on vient sélectionner cette gamme de vertex ici. C'est loop cut même. Alors, est-ce que j'en ai manqué aucun? Non, ça a l'air pas mal. On va faire Assign pour venir dessiner la rainure blanche de notre balle de tennis. Une petite sauvegarde, une vue de côté, on va juste passer par la vue caméra, on va l'agrandir un petit peu. Donc S et on redimensionne légèrement notre balle. On va venir maintenant dans la vue de face. G contraint sur l'accède et on va remonter notre balle de tennis puisqu'on viendra quand même ajouter un plan pour faire une petite ombre. On va l'ajuster pile au niveau de l'axe des X ici. Et maintenant depuis la vue caméra. On va venir faire une rotation. Alors, cliquez point pour changer l'axe ici. Vous voyez, on va cliquer Bounding Box ou 3D Cursor. Ah, voilà. Donc, c'est virgule et point pour switcher entre les deux. Donc, je clique une fois sur point pour avoir le centre de rotation qui est au niveau du curseur 3D. R, Z. Et je fais tourner ma caméra simplement autour de la balle de cette façon-là. C'est une technique qu'on a déjà vue dans une vidéo copilote. Je vais placer ma caméra à peu près à ce niveau-là. On va la descendre sur l'axe des Z. Rotation double X pour faire une rotation sur l'axe local de la caméra. Je vais la placer comme ça. GZ pour la remonter.
J'ai encore une fois pour venir la placer ici. Et puis j'ai deux fois Z pour la rapprocher légèrement. On va également se mettre maintenant en vue de côté. On va venir ajouter une première lampe de type Area, un grand classique des vidéos copilotes, qu'on va mettre ici, qu'on va vraiment donner une lumière rasante. Ah, voyez, j'ai mon centre de rotation qui n'est pas bien orienté, donc virgule pour revenir sur le pivot de rotation au niveau de la bounding box, R pour faire pivoter ma lampe. Je viens réduire la distance pour qu'elle vienne juste frapper la surface de la balle. Donc pour rappel de ces lampes de type Area, la lumière va être projetée le long de cette ligne avec la même intensité et à partir du moment où elle quitte la distance, la lumière va progressivement réduire en intensité. Je réduis fortement l'énergie. J'aime beaucoup aussi d'entrée de jeu tout de suite venir mettre un petit peu d'Ambient Occlusion à 0,5 pour casser des ombres si nécessaire. Et puis encore un coup sur la lampe, on va augmenter sa taille ici pour avoir une belle surface. Depuis la vue de dessus, Shift D pour dupliquer la lampe, R pour la tourner. On va venir donner un éclairage de ce côté-là. On est pas mal. 1, je vais la placer, donc vue de face, rotation, je vais la placer légèrement dessus. Et puis, Shift D, je duplique cette lampe. Et celle-là, ce sera la lampe la plus intense. Je vais la mettre un tantinet derrière. Et celle-là, on va vraiment lui donner une bonne intensité. Et c'est celle également qui va venir faire le traçage de l'ombre. Donc, je m'inquiète de savoir si Ray Shadow est sélectionné ou pas. Contrôle S, 1-0 pour le contrôle caméra et F12 pour un premier rendu. Alors peut-être que c'est trop ombragé de ce côté-là, peut-être qu'on a trop d'ambient occlusion. Bon, on va continuer ainsi, on viendra peut-être repositionner un petit peu nos lampes, mais disons, on voit bien qu'on a effectivement un peu plus d'intensité lumineuse qui vient depuis le haut, qui est la dernière lampe qu'on a mise en place. On va de ce pas ajouter un plan à l'ensemble que je vais venir redimensionner. On n'a pas besoin de s'inquiéter vraiment de savoir si le champ s'il doit couvrir tout le champ de la caméra etc., puisqu'on va en faire un plan transparent sur lequel on va juste venir projeter une ombre. Donc l'ombre qui va provenir de la lumière qui est là. Je vais peut-être me remettre en vue de face. Donc cette lampe ici va venir projeter l'ombre. Donc on va, même en vue de dessus, devinez que l'ombre va venir se projeter ici. Donc simplement, je vais positionner mon plan là pour pouvoir avoir l'ombre de la balle qui va venir ici. On peut tout de suite le tester en pressant F12 et un petit rendu. Alors, on voit notre ombre qui est bien bien franche, hein. On va reparler encore une fois de comment venir donner un peu plus de fondu là-dedans. Il suffit simplement d'augmenter les passes au niveau de l'éclairage et de la lampe. Mais d'abord, terminons avec le plan en lui créant un matériau duquel on va pas du tout se soucier, si ce n'est pour cliquer l'option dans le panneau Shadow, Shadows Only, ce qui va avoir pour effet de rendre le plan transparent et de projeter uniquement son ombre. La démonstration avec un F12, vous voyez que tout l'arrière-plan est couvert par le ciel qui est toujours gris et qu'on va modifier, mais que l'ombre, elle, sur le plan, est restée. C'est le bon moment de venir jouer sur notre ciel. On va demander un Blend Sky, donc le Blend va simplement créer un dégradé entre le zénith et l'horizon color. On va venir choisir une couleur pour l'horizon. On va la passer en blanc max et on va venir sélectionner un bleu qui nous plaît, par exemple à peu près ici. Et pour la Zenith Color, j'utilise l'outil pipette pour sélectionner directement la même couleur que l'horizon. Puis je viens simplement jouer sur la gamme des blancs ici et des noirs pour le foncer fortement et avoir ce beau dégradé. Résultat, nous avons un dégradé de bleu clair à bleu plus foncé, peut-être pas assez, tiens. On va peut-être l'accentuer un petit peu. On garde l'ombre sur le plan qui n'apparaît pas. On voit ici un léger bruit. C'est l'ambient occlusion qui travaille et qui vient donner un peu d'éclairage. On a une lampe, ne l'oublions pas, qui vient donner un peu d'éclairage ici également. Notre rayure qui reste plutôt bien. Je ferai juste encore vraiment un petit peu d'intensité pour voir
un dégradé un peu plus intense, une sauvegarde, F12. Voilà, j'ai un bleu vraiment clair et quelque chose qui se fond bien. Il va nous rester à présent à venir jouer sur le matériau, sur le système de particules pour créer les poils, puis nous finirons avec le compositing pour venir ajouter ici notre logo et notre texte à notre image. On va retourner dans la vue 3D pour sélectionner notre balle de tennis et venir maintenant dans le panneau du système de particules, ajouter un nouveau système de particules qui sera de type R. On va tout de suite fortement réduire la longueur de notre système de particules. Et puis, avant toute opération, vous voyez qu'il y a évidemment des particules qui vont apparaître ici au niveau de notre rainure. Et c'est quelque chose que nous voulons éviter, puisque seule la partie jaune devrait être couverte de ces petits poils. Donc, on va venir jouer avec un groupe de vertex et du weight painting. Pour influencer le système de particules, je vais donc sélectionner l'ensemble du maillage, désélectionner toutes les arêtes ici qui concernent la partie blanche, et dans le panneau ici des options de l'objet du maillage, je vais ajouter un vertex group qui va être l'influence de la longueur en fait, enfin l'influence des poils, donc on va dire. On va l'appeler influx particules. Voilà. Et puis, je vais assigner à l'ensemble de ces vertex ici sélectionnés, donc tout ceci sauf la rainure blanche, un poids de 1, assign. Et si je me mets à présent dans le mode weight paint, c'est flagrant. Je vois que tout l'ensemble qui a été sélectionné est rouge et les loop cuts et tout l'ensemble de vertex qu'on est venu désélectionner restent en bleu. Donc bleu, aucune intensité, rouge, beaucoup d'intensité, ce qui va nous permettre maintenant, à partir du système de particules, de venir donner un paramètre vertex group ici et on va venir jouer sur la longueur. Sélectionner notre influx part et vous voyez que les particules qui étaient générées sur la surface bleue ont disparu puisque elles vont avoir une influence minimum dans la zone bleue, influence maximum dans la zone rouge. Voilà pour le weight painting et l'utilisation de vertex group. C'est un peu un masque qui vient simplement s'appliquer ici sur la rainure et éviter que nos poils se multiplient trop à ce niveau-là. On va réduire encore un petit peu leur longueur. On fera un peu de test de toute façon. On va laisser pour l'instant la quantité à 1000. On va venir ajouter des enfants de type interpolé. On va diminuer le nombre pour l'instant. On va jouer légèrement sur le clump. Vous voyez tout de suite l'influence de ces paramètres. Alors, les paramètres des systèmes particules sont pas forcément intuitifs au commun des mortels quand on commence à jouer avec eux. Il y a beaucoup de documentation qui peut être trouvée, évidemment, les wikis sur Blender, etc. Parfois, venir un peu faire des tests et jouer avec l'ensemble donne vraiment, vraiment une bonne idée de ce qui se passe. Donc, en ce qui nous concerne, on va simplement venir jouer un petit peu sur ce paramètre clump et puis sur la longueur des enfants pour pas que vous voyez ils soient générés de manière trop longue. Puisqu'on, pour chaque particule poil générée, on aura 50 enfants au niveau du rendu et on en a 10 dans la preview et dans l'environnement de développement ici qui sont le paramètre display. Je vais faire une sauvegarde et lancer un premier rendu pour voir où on en est. Alors évidemment, avec le système de particules, le rendu va prendre toujours un peu plus de temps et on voit notre série de poils qui commence à apparaître. Alors ici, ils sortent bien jaunes, bien beaux, bien éclairés. Ici, on voit que bon, on manque en quantité, on viendra en rajouter évidemment. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est peut-être de venir jouer avec un autre matériau que le matériau jaune, éviter que l'ensemble projette des ombres également sur la boule, pour pouvoir donner vraiment quelque chose et de réduire un peu la longueur, puisque là, on fait plus balle mousse que balle de tennis. Donc, on va venir rajouter dans le panneau des matériaux un nouveau matériau. On va partir du jaune. Matériaux supplémentaires. On part du jaune. On clique le 2 pour le désolidariser du matériau jaune. Ici, on aura le jaune particule. On va venir cocher
l'option Transparency. On va le rendre complètement transparent. Étonnant, vous allez me dire. Mais nous allons lui ajouter une texture qui sera de type Blend, donc un dégradé. Je vais cliquer Show Alpha pour voir ce qui se passe. Et on va lui assigner une ramp qui sera donc un dégradé de couleur. Je vais me mettre sur le point ici pour demander que ce soit un blanc complètement transparent. Vous voyez que l'alpha value ici est à 0. Et puis maintenant, si je viens cliquer sur l'autre, sur ce petit bouton, je vais me rendre au deuxième point ici. Et celui-là, je vais demander à ce qu'il ait un jaune intense. On va assigner au niveau du mapping une projection des coordonnées au niveau des particules. Et vous voyez qu'à présent, au niveau du matériel, ah, ouais. Je vais décocher color et influencer la valeur alpha puisque nous l'avons rendu transparent. Et vous voyez qu'à présent, je vais avoir une série de poils jaunes en haut, dégradés vers du transparent. Je vais d'ailleurs peut-être jouer un peu plus et le retirer ici pour que vraiment on ait du poil transparent. À la racine en bas pour éviter tous les ombrages et puis la partie jaune tout en haut. Voilà. Ce qu'on va pas manquer de faire non plus, c'est de demander à l'ensemble des matériaux et au niveau des ombres de recevoir des ombres transparentes, ce qui aura pour le but de projeter des ombres à travers la transparence qui seront un peu plus propres. Donc pour pas prendre de risques et puis pas me poser de questions, je vais cocher l'ensemble. Et puis maintenant, on va devoir sélectionner le matériau rendu pour nos particules. Donc depuis le panneau des particules, vous voyez que ici, dans le render, on va choisir quel matériel va être rendu par leur position. Numéro 1, non. Numéro 2, c'est la couleur blanche qu'on a appliquée à la rainure. Et je sélectionne le troisième matériel pour l'obtenir avec nos... pour lui appliquer directement le matériau que nous venons de préparer. On va réduire fortement la longueur. Enfin, fortement, on va aller jouer ici. On va peut-être jouer un peu sur la longueur ici. Encore des enfants. Et puis, on va passer le nombre de particules à 3000. On fait une sauvegarde. Et F12 pour lancer un rendu. On peut venir jouer aussi sur l'ajout, l'intensité peut-être de lumière. De côté, vous voyez que ouais, ils sortent encore un peu bien sombre de ce côté-là. Oh, on arrive à un résultat quand même beaucoup plus intéressant qu'avant. Vous voyez que réduire la longueur a donné à notre balle, oh, de ce côté-là, elle a vraiment une bonne tête. On va venir sur ce panneau-là de la lampe et puis on va intensifier légèrement son éclairage pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être réduire la quantité de particules ici de nouveau à 1000 pour économiser un petit peu de temps de rendu. Alors ça aura pour effet, voilà, on a quand même quelque chose de jeu beaucoup mieux. Ça aura pour effet évidemment de légèrement casser évidemment l'ombre puisqu'on vient ajouter de la lumière par-dessus, mais on a cette fois une balle beaucoup plus intéressante. On va terminer notre montage en appliquant encore une petite texture à notre balle pour la déformer sensiblement puisqu'elle est une balle de tennis n'est jamais aussi parfaite. C'est l'occasion de voir comment on va appliquer sur notre matériau alors le jaune qui couvre simplement l'ensemble de la balle. On va venir ajouter une nouvelle texture qui sera de type Voronoi. On va décocher la case ici pour que la texture n'ait pas d'influence, puisqu'on va l'utiliser avec un modifier qui sera le Displacement Modifier. Avant de venir jouer sur d'autres paramètres au niveau du matériau, je vais me rendre dans le panneau des modifiers. Jouer Displace. On va la placer par-dessus le modifier système de particules. Et je vais venir simplement sélectionner ma texture qui doit être celle-là. Wow! Alors, pas d'inquiétude, c'est simplement, je vais venir jouer sur la force ici. Vous voyez que, qu'est-ce qui va se passer? Ça va simplement donner à ma texture, appliquer ma texture et modifier le mesh en conséquence. Maintenant, comment venir paramétrer l'ensemble? Je peux jouer sur l'intensité, vous voyez. Moins il y a de blanc, moins il y a d'influence, et plus il y en a, plus il y a d'influence. Donc, je peux très bien réduire l'intensité, la luminosité, brightness de ma texture. On peut venir jouer également tout en bas sur la taille.
pour pouvoir avoir un Voronoi très fin ou un réseau beaucoup plus marqué. On va peut-être pour nous rester à peu près là. Et puis, on va modifier encore au niveau du modifieur. On peut venir quand même donner, on va se mettre en vue caméra, donner quand même pas trop trop d'influence à l'ensemble. Vous voyez que ça va assez vite. Et puis, on aimerait quand même garder un contour assez propre et lisse. Donc, on va donner une légère. Voilà. On va se placer ainsi. Juste contrôler, nous remettre à 3000 ici. Un contrôle S et on va se lancer, espérons-le, F12 dans le dernier rendu avant de passer au niveau du compositing. Les temps de rendu sont un peu plus importants. Envisager peut-être un nouveau processeur serait pas un luxe dans mon cas pour accélérer vraiment ces temps de calcul, mais bon. On remarque bien une légère influence de notre Voronoi qui déforme pas trop la balle, peut-être un peu quand même trop ici à ce niveau-là, mais vous avez les clés pour venir jouer sur les différents paramètres. Moi je trouve quand même qu'il est trop. Allez, on va vite faire la modification avant le premier rendu. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait un Voronoi plus fin. Je vais réduire fortement son influence quand même. Laisser un léger. Une sauvegarde et un rendu, on passera dans le compositing. Donc vous avez les pistes ici. Hein. Vraiment venir jouer sur ces paramètres du modifieur, mais n'oubliez pas que bon, le matériau sélectionné, la texture sélectionnée, vous allez pouvoir, alors très important, décocher ça pour pas que la couleur ou d'autres influences s'appliquent. Et puis venir ici dans l'aperçu, regarder à peu près ce que vous appliquez ou quel sera l'aspect du Voronoi et ajuster éventuellement le contraste et la luminosité. Voilà, on a une balle de tennis qui fait toujours un petit peu mousse. On pourrait venir jouer sur notre système de particules encore un peu pour lui donner l'aspect vraie balle de tennis. Avoir quelques fils qui dépassent. Hein. On n'a jamais quelque chose d'aussi uniforme et aussi parfait. Là, on va dire que c'est une balle neuve. Mais nous allons, en ce qui nous concerne, passer sans plus attendre au niveau du compositing. Cocher Compositing Node, Use Node et Backdrop. On va venir ajouter Shift A, une Output Viewer pour avoir une vue de ce qui se passe à l'écran. On va tout de suite ajouter une Color Balance qu'on va mettre dans notre Viewer. On va également Shift A, ajouter une Input qui sera notre image préparée avec fond transparent. Et pour mélanger les deux, nous allons utiliser un nœud color alpha over qui va simplement venir injecter cette image dans la suivante en gardant la transparence. Alors, je vais ici, voilà, donc je vais inverser les deux. La première image mélangée dans la suivante. Je sélectionne mon image de référence qui est le whenIPlayTennis.png. Et vous voyez qu'on va simplement prendre la transparence de cette image et puis l'appliquer sur ce render layer. Pour ne pas avoir cet effet de crénelage et sage ici qui se passe, puisque ma police est bien lissée dans mon image, je peux utiliser le canal alpha que j'injecte ici dans l'input du factor et vous voyez que ça vient considérablement lisser l'ensemble. On le voit aussi au niveau du logo en haut que c'est nettement plus propre. Un petit paramétrage, alors j'aime beaucoup donner un petit peu de ton orangé et puis réduire l'intensité des tons sombres. Venir ajouter un peu de jaune et compenser avec un peu de bleu ici dans nos tons clairs. On va zoomer un petit peu pour avoir plus. Et puis donner un peu plus d'influence à nos tons clairs sans brûler l'image. Vous voyez, il faut pas que j'ai un blanc. Voilà, un blanc qui soit beaucoup plus pas trop intense. Et puis je vais également réduire un peu l'intensité des tons moyens. Ajouter un petit peu d'orange, voilà. Peut-être que notre fond est un chouïa trop bleu, puisque je lis beaucoup moins mon US Open à présent, donc on va en injecter un petit peu moins d'orange, et puis peut-être ne pas le foncer autant. Voilà. Venir un petit peu contrôler l'ensemble de votre image. Ne pas oublier en phase finale d'injecter tout ceci au niveau du compositing. Et puis,
On va encore faire, avant le rendu final, donc injecter évidemment le nœud de sortie du viewer dans le composite, repasser dans la vue 3D. On va se mettre au niveau en vue caméra. Puis je vais juste modifier un tout petit peu. Voilà, mettre ma balle de tennis comme ceci. Une dernière sauvegarde et on est parti pour le rendu final. Avec, comme d'habitude, la première passe de rendu qui se fait sur le montage, la scène et les matériaux, le ciel, les ombrages standards, le générateur de particules. Puis vous allez le voir, l'application de notre image de fond. À noter hein, particulièrement que l'utilisation au niveau du node, on va peut-être encore les. Je vais peut-être juste vous remontrer le panneau après. Génère ici une image. Et voilà le rendu final. On va juste regarder. Vous voyez que je suis en full HD 1920 par 1080, que j'ai une image à 50% et que mon image de référence fait pile poil les 960 par 540. Donc cette image qui a été préparée dans Photoshop ici a été faite exactement aux mêmes dimensions que mon image de sortie. C'est pour ça qu'au niveau du node editor, je ne me soucie pas de la position. Maintenant, si vous deviez avoir une image plus grande, évidemment, elle déborderait de l'espace ici. Donc, il y a plusieurs types de nœuds qu'on pourrait utiliser, notamment le nœud Translate ici qui permet de déplacer notre image de fond sur lequel on pourrait venir jouer. Ou alors, si vous prévoyez de faire une image en Full HD, de préparer votre image que vous allez venir appliquer et, en entrée avec le nœud image, de la faire directement aux bonnes dimensions pour pas avoir besoin de trop se poser de questions au niveau du compositing. C'est des choses qu'on aurait pu faire directement dans Photoshop. Plutôt que de passer dans Blender pour pouvoir faire juste ce petit mélange. Personnellement, tout ce qui peut être fait dans Blender sans passer par Photoshop, j'apprécie beaucoup. Donc, ça nous évite d'avoir besoin de tout le temps sauter d'un logiciel à l'autre. Et c'est l'occasion de vous montrer également l'utilisation de nouveaux nœuds au niveau du compositing. Voilà, nous sommes au bout de ce tutoriel. J'ai eu encore une fois énormément de plaisir à partager tout ça avec vous. J'espère que ce sera votre cas également. N'hésitez pas à nous laisser quelques messages sur Vimeo. Nous continuerons à faire évoluer cette plateforme Copilot et à vous ajouter des tutoriels avec le rythme que nous pouvons assumer. Et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo Copilot et je vous dis à bientôt!